Les 23h à Abidjan, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de votre édition. À la une ce soir, la rencontre initiée par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité à Ferkessédougou, rencontre relative à l'assistance aux réfugiés burkinabés. Au total, 21 792 réfugiés qui ont fui le terrorisme dans leur pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, séjourne en ce moment à Houston, dans l'État du Texas, c'est aux États-Unis d'Amérique. Un séjour mis à profit pour saisir les opportunités dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle et l'agriculture. Nous en parlerons également dans ce journal. Et puis à l'Assemblée nationale, l'actualité est marquée par la présentation du projet de loi sur le code de l'hygiène et de la salubrité, projet de loi présenté par le ministre Boaké Fofana. Voilà pour le titre, on se rend tout de suite à Ferkessédougou, capitale de la région du Tchologo, pour ouvrir ce journal. Le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité y a organisé une rencontre relative à l'assistance aux réfugiés burkinabés. Et les chiffres dont dispose l'État de Côte d'Ivoire font état de 21 792 réfugiés qui ont fui donc leur pays où sévit le terrorisme. Leur situation était donc à l'ordre du jour de la réunion initiée par le CNS et c'est avec Kader Sogodogo qu'on en parle. Fidèle Sarasoro, ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, des membres du gouvernement, dont Kwadio Konaberta et Naseneba Touré, des membres du corps diplomatique, des partenaires au développement, des élus et des membres du corps préfectoral des régions du Tchologo et du Bonkani, à l'initiative du Conseil national de sécurité, ont décidé de pencher sur l'assistance à apporter aux réfugiés burkinabés et maliens. Plus de 21 000 à ce jour qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Il est bon que nous systématisions notre approche. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions discuter de la question et voir les différents volets de l'aide humanitaire qu'on souhaitera apporter aux réfugiés qui sont aujourd'hui sur le territoire ivoirien. Un huis clos de plusieurs heures et départ pour Niororigué, dans le département de Ouangoulodougou, où un village de réfugiés est en train de sortir de terre. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, mettra tout en œuvre pour faciliter le séjour de ces ressortissants de pays frères qui souffrent des affres du terrorisme. C'est un montant de 233 millions de francs CFA qui sera débloqué rapidement pour assister nos frères. Une visite guidée du site et des mots qui traduisent l'engagement de la Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé dès le début du mois de février de prendre des dispositions pour que ces réfugiés-là, ces frères de pays amis, se retrouvent dans des conditions adéquates. Nous avons donc, au cours de la réunion de ce matin, examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivre et en non-vivre, mais surtout nous avons parlé également de la question de sécurité d'une façon générale. 40 tonnes de riz pour les populations d'accueil et les réfugiés offerts pour cette visite par le Conseil national de sécurité et 3 millions de francs CFA, un don du Premier ministre Patrick Achi. La Côte d'Ivoire reste solidaire de tous. De retour de Ferkessédougou, on se rend à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, où se tient en ce moment une rencontre sur le processus effectif du tracé des frontières terrestres communes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, une troisième rencontre sur la coopération transfrontalière dont nous parle Walter Amadou Ouattara. Troisième rencontre du genre entre les parties ivoiriennes et ghanéennes a pour objet principal le démarrage effectif du processus de validation du tracé des frontières terrestres communes des deux pays. C'est depuis 2021 que nous nous engageons pour entamer les activités qui nous lient, qui concernent la démarcation. Les deux pays viennent de signer la Convention africaine sur la coopération transfrontalière
Nous allons voir dans quelles possibilités nous pouvons travailler avec ce nouveau document. La décision du Tribunal international de la mer sur la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est également au centre des échanges. Le Tribunal international du droit de la mer a fixé les coordonnées sur l'espace maritime. Et ces coordonnées-là permettent aujourd'hui le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est une décision qui a été prise en 2017 et c'est maintenant que nous sommes en train d'implémenter. Mais avant cela, nous devons nous entendre bien entendu sur une date du dépôt de la carte consensuelle du tracé signé par les deux parties à l'issue de la décision du tribunal. Nous devons aller déposer ces documents-là à New York auprès des Nations Unies. Et également pour la frontière terrestre, aller déposer les instruments de l'accord de Niamey sur la coopération transfrontalière qui ont été ratifiés par nos deux pays cette année. Pour rappel, deux précédentes réunions, respectivement en août et en décembre 2022, successivement à Abidjan et à Accra, ont permis d'installer la commission technique mixte de réaffirmation des frontières terrestres. La présente rencontre va aussi déterminer le programme des activités de la commission au titre de l'année 2023. Je vous le disais en titre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, séjourne en ce moment à Houston, dans l'État du Texas. C'est aux États-Unis d'Amérique. Un séjour mis à profit pour donc saisir les opportunités dans plusieurs domaines, notamment la formation professionnelle, l'agriculture, l'entrepreneuriat. Kandia Camara est en plein lobbying aux États-Unis pour la Côte d'Ivoire et Eric Goré nous en parle. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, au Texas, précisément à Houston, pour une offensive diplomatique et économique, accompagnée d'une forte délégation composée des ambassadeurs Touré Brahima et Hippo Désiré, respectivement ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis et représentant permanent adjoint de la Côte d'Ivoire à l'ONU, également de Enza Camara, consul général de la Côte d'Ivoire à New York, du docteur Ndri Yacinthe, consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Texas, et des représentants du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Occasion pour la chef de la diplomatie ivoirienne d'accorder des audiences à de grands groupes prêts à aider la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Nous sortons d'ici en tout cas confiants du support du gouvernement de Côte d'Ivoire et donc nous envisageons venir en Côte d'Ivoire pour donc concrétiser ce dont nous avons parlé ici. Nous avons plus de 40 ans d'expérience aux États-Unis sur les questions de développement des communautés, construction, tout ce qui est vraiment développement de communautés. Et nous voulons donc apporter cette expertise en Côte d'Ivoire. Une aubaine aussi pour les Ivoiriens de la diaspora. Notre priorité, c'est que nos frères et sœurs aient pour une fois une maison en toute sécurité au pays. Le besoin, il est énorme. Et aujourd'hui, notre gouvernement est en train de nous aider, vous pouvez le constater, avec la ministre qui est venue rencontrer cette grande société qui a déjà fait ses preuves ici et dans le monde. Kandia Kamisoko Camara est déterminée à réussir cette mission. Le gouvernement a un vaste programme de logements, surtout les logements sociaux, pour tous ceux qui sont dans nos villes. Et aussi, nous leur avons parlé de nos projets en termes de formation professionnelle. De leur côté, ils nous ont présenté toutes leurs possibilités, et ce qu'ils font en termes de logement, en termes de construction d'aéroports, de centres de santé aussi, centres de formation professionnelle. Nous leur avons expliqué que ce serait une bonne chose qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Plusieurs visites dans le domaine de la technologie, de la formation, de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, de l'insertion des jeunes ont permis à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de se faire une idée et surtout de produire ces exemples en Côte d'Ivoire pour le grand bonheur des populations. Voilà, Eric Goré, envoyé spécial de la RTI aux États-Unis. Avec Franck Quadio, des échos à présent du 7e Congrès africain des experts comptables, au nom du Premier ministre Patrick Achi et du vice-président de la République, Kone Etiemoko Mele, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly, a présidé cette 7e
édition présidait donc la clôture de cette 7e édition. Notez que le congrès a débuté le lundi 16 mai dernier. On en parle donc avec notre reporter. Deux journées pleines et plusieurs thématiques parlant de l'impact de la profession comptable sur la gouvernance publique et le capital humain, la pratique du marketing, mais aussi l'intégration de données nouvelles telles l'intelligence artificielle. Bref, une profession comptable plus encline à contribuer à la transformation économique de nos États. Panel de haut niveau et 6 panels thématiques ont permis d'affiner la réflexion. Nous sommes les interlocuteurs privilégiés du monde économique pour les accompagner dans une transformation digitale qui va être majeure, qui va transformer complètement le fonctionnement des économies. La France comme pays invité et contributeur, mais au-delà, 65 pays participants et 1500 délégués. Satisfaction donc pour la Côte d'Ivoire, pays organisateur, mais aussi pour l'organe fédéral. Satisfaction traduite par la nouvelle présidente élue lors de ce 7e congrès africain des comptables. À quoi ? Ce congrès est l'opportunité au fait de montrer notre importance. C'est à travers nos compétences que l'on pourra hisser haut la barre de l'expertise comptable en Afrique. Il nous suffira juste de maintenir une volonté commune d'excellence. Un appel à l'engagement, c'est aussi le sens des propos du ministre de l'Économie et des Finances représentant le Premier ministre et le vice-président au patron de la cérémonie. Il y a lieu de saluer les efforts fournis au cours de ces deux journées qui ont permis d'aboutir à des conclusions pertinentes. Mais au-delà, vos résolutions permettront de dynamiser davantage la profession comptable dans l'accomplissement des acteurs du développement économique par vos conseils avisés et par la production d'informations financières de plus en plus fiables. Le 7e congrès africain des experts comptables a vu la participation de sommités du secteur, dont Asma Resmoki, la présidente de l'IFAC, instance internationale. Et notre congrès ici à Abidjan, donc qui abrite du 17 au 19 mai prochain le forum, cette fois forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique, forum organisé par l'AISS, c'est l'Association internationale de la sécurité sociale, ce en étroite collaboration avec la Caisse nationale de prévoyance sociale et la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Notez que cet événement réunit les experts venus du monde entier, c'est ce que nous dit notre reporter Serge Koulia. Il nous précise également que c'est une tribune d'échange et de collaboration en vue donc de partager les bonnes pratiques en matière de sécurité sociale. Plus de 400 experts, 55 organisations, des membres du gouvernement ivoirien et 3 ministres venus de l'Égypte, du Sud-Soudan et de l'Afrique du Sud pour l'ouverture du Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique. C'est le plus important rendez-vous en matière de sécurité sociale sur le continent. Le président Azman Mohamed et les membres de l'Association internationale de la sécurité sociale ont choisi Abidjan. Un choix judicieux au regard des performances de la Caisse générale de retraite des agents de l'État et de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La Côte d'Ivoire, c'est un État qui se distingue par toutes les actions qui sont menées en faveur de la sécurité sociale. Et parmi les objectifs des forums régionaux, c'est renforcer les liens entre les institutions membres de l'AISS, mais aussi s'attaquer à des problèmes communs qui constituent les principaux défis de la sécurité sociale. Le forum va débattre de questions urgentes, notamment l'extension de la couverture à toutes les couches sociales, l'évolution des besoins de protection des populations. Il sera également question du rôle des patrons des institutions de prévoyance sociale dans le développement des systèmes de sécurité sociale. Ce forum, c'est vraiment une reconnaissance du travail effectué par la Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale. Depuis 2012, il y a eu de nombreuses réformes de sécurité sociale. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, le président de la République voyait que la Côte d'Ivoire est un pays attractif. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, la sécurité sociale est un levier majeur du développement. C'est pourquoi chaque individu doit pouvoir jouir d'une protection sociale. 3 jours durant, les participants vont partager leurs réflexions sur l'importance de la sécurité sociale.
Voilà, justement, pour évoquer les enjeux du Forum régional sur la sécurité sociale de l'Afrique, qui se tient donc depuis ce matin, et ce jusqu'au 19 mai prochain, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était sur le plateau de ce 20h. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous attendons à la suite des retours d'expérience que nous allons nous partager. Et ces retours d'expérience réussis et non réussis, et les innovations au niveau des systèmes de protection sociale dans les différents pays, nous attendons faire en sorte qu'on atteigne l'objectif de développement durable des Nations Unies. Mais en plus de ce que nous souhaitons atteindre, les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui ne sont pas différents des objectifs que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fixé au gouvernement de ne laisser personne de côté. Donc, pour l'atteinte de cet objectif qui colle avec les instructions de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce que nous entendons faire, c'est d'amplifier notre communication pour que les nouveaux instruments de protection sociale qui ont cours dans notre pays, à savoir le régime social des travailleurs indépendants, la couverture maladie universelle et la complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, soit amplifiée. Mais en plus de cela, nous attendons, sur la base des retours d'expérience, nous approprier de nouveaux mécanismes pour permettre de recouvrer à la source les cotisations des travailleurs du secteur informel. Mais surtout, en plus de ça, nous voulons améliorer notre panier de protection sociale avec, un, l'assurance chômage, deux, l'assurance logement, trois, au niveau des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, leur permettre d'accéder plus aisément aux ATMP, c'est-à-dire accidents de travail et maladies professionnelles, leur prise en charge. Donc voilà un peu toutes ces perspectives heureuses auxquelles nous entendons aboutir avec le partage d'expériences avec nos collègues qui sont arrivés et les techniciens qui sont arrivés. Et comme je vous l'ai dit, c'est inédit dans l'histoire de l'Association internationale de la sécurité sociale de réunir un tel parterre de sachants au nombre de 500. Les perspectives sont bonnes. Et on parle santé pour poursuivre. Hypertension artérielle, 40% de prévalence en Côte d'Ivoire. La prise de tension artérielle régulière, deux fois par consultation et deux fois successive, est recommandée pour donc prévenir le mal. Ce 17 mai, notez-le, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, consacre la journée à la lutte contre l'hypertension artérielle. Et au siège de l'organisation au plateau, une conférence a été animée. On fait le point avec Didier Inguessa. L'hypertension artérielle est un problème de santé publique avec 40% de prévalence en Côte d'Ivoire selon les dernières statistiques de 2017. Mais seulement un tiers des victimes en Afrique subsaharienne connaissent leur statut. Parmi eux, 18% suivent un traitement médical selon la conférencière. Il faut modifier son style de vie, donc adopter une alimentation saine, une alimentation qui soit pauvre en sel, pauvre en féculents, riche en fruits et légumes, par exemple. Une activité physique régulière, et l'activité physique, elle se prescrit. Donc le médecin pourra lui indiquer, en fonction de sa capacité physique, les activités qu'il doit mener et à quelle fréquence. La tension artérielle normale ne doit pas dépasser 14 cm de mercure pour la systolique et 9 cm de mercure pour la diastolique. Elle doit être prélevée au repos dans un environnement calme. Dans le monde, il y a un milliard de personnes qui souffrent d'une hypertension artérielle. Et ce qui est frappant, c'est que la moitié de ces gens s'ignorent. Lorsque vous voyez des décès prématurés chez les adultes, pour la plupart, c'est dû à l'hypertension artérielle. Et les conseils sont des mesures simples. Ce sont des mesures hygiéno-diététiques. En termes diététiques, vous le savez bien, il faut consommer moins de sel. La consommation excessive de sel, de sucre, d'alcool et la sédentarité contribuent à la survenance de l'hypertension artérielle. Plus l'âge est avancé, plus le risque d'hypertension artérielle est élevé.
Merci Didier Nguessan pour toutes ces informations. À l'Assemblée nationale, l'actualité est marquée par la présentation du projet de loi sur le code de l'hygiène et de la salubrité. Projet de loi présenté par le ministre Boaké Fofana, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité. Il était hier face aux députés de la commission recherche scientifique, technologique et environnement. On en parle avec Grâce Kando. Tolérance zéro pour les actes d'incivisme perpétrés par les populations sur la place publique. C'est l'objet du projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Il vient d'être adopté en commission à l'Assemblée nationale. À ce jour, les domaines de l'hygiène et de la salubrité ne bénéficient d'aucune législation spécifique susceptible de permettre une approche globale et efficace de leur gestion, aussi bien par les pouvoirs publics que par le secteur privé. 34 membres présents sur 41 de la commission recherche, sciences, technologies et environnement ont donné quitus à ce projet de loi. C'est un code très important pour la santé de nos populations. Il y a eu un certain nombre d'interrogations que les députés ont émises. Le ministre y a répondu pour rassurer les députés. Il nous appartient maintenant, lorsque nous l'adopterons en plénière, de faire en sorte que l'adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, que cet adage-là soit battu en brèche et que nous allions vers les populations. Le gouvernement a sensibilisé énormément sur ces questions-là, d'hygiène publique, de salubrité. Les textes qui légifèrent à la matière sont dispersés dans plusieurs endroits, sur des textes sur l'environnement, sur la construction, sur l'assainissement. On a souhaité, mon collègue Pierre Dama et moi-même, regrouper toute la législation en la matière dans un code, qu'il y a des choses qui sont interdites. L'occupation illégale du domaine public est interdite. Ils savent qu'on ne doit pas rejeter les eaux usées partout. Ils savent qu'on ne doit pas rejeter les eaux de nos toilettes dans les caniveaux. Ils savent que quand on a un restaurant, on doit observer des mesures d'hygiène. Il y a une loi qui réglemente tout ça. Mais ça veut dire que des Ivoiriens pourraient aller en prison ou payer des amendes lourdes pour des manquements à cette loi. La loi, quand elle sera votée, nous avons une période de 12 mois pour encore communiquer avec les Ivoiriens, les sensibiliser. Et à partir de là, elle va s'appliquer. Le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité est subdivisé en 6 titres composés de 18 chapitres. On sera à présent au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. L'alphabétisation, on y arrivera. Maratou Kone a reçu lundi 15 mai dernier les lauréats du concours international de dictée, concours initié par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. La finale prévue pour le 21 mai prochain, ce sera à Montréal, au Canada, et ces lauréats sont venus donner la nouvelle à leur ministre de tutelle. Maratou Kone les a encouragés à travailler davantage pour donc ramener des trophées en Côte d'Ivoire. C'est Forazegui. Elles ont été classées première et deuxième au concours international de dictée dénommé la dictée PGL, organisé par la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Ces élèves en classe de CM1 et CM2 iront représenter la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Une joie qu'elles partagent avec leur ministre de tutelle. C'est une fierté, c'est une grande fierté pour moi parce que je représente mon pays dans un autre continent et ce que je voudrais donner à mes amis qui lisent beaucoup, parce que la dictée n'est pas une matière difficile. Je suis très heureuse de partir représenter mon pays au Canada, parce que c'est une charge. Et je suis sûre que je vais faire tout mon possible pour ramener le trophée en Côte d'Ivoire. L'année dernière, l'équipe ivoirienne a ramené la médaille d'argent en se classant à la deuxième place au niveau mondial pour sa première participation. Maria Toukone encourage donc les candidates de 2023 à hisser haut le drapeau ivoirien à Montréal au Canada. Nous sommes très heureux de savoir que le retour de la dictée a fait des émules. Cette année, c'est notre deuxième participation et nous avons reçu les enfants pour les encourager et dire que la nation entière compte sur elle. Nous voulons un système éducatif de qualité. Et la qualité, ça commence là, c'est des enfants du primaire.
Cette année, 2400 sélectionnés dans 22 drains du pays ont pris part à ce concours international. Les deux candidates porteront le flambeau de la Côte d'Ivoire le 21 mai prochain à Montréal, au Canada. Maria Toukoné insiste sur le fait que le concours international de dictée, dénommé la dictée PGL, démontre l'importance de la dictée dans l'apprentissage des enfants et donc l'opportunité de son retour dans les programmes scolaires. Voilà, bon vent à nos lauréates. Notre voyage à travers l'actualité nous conduit à présent à Kérébadougou et à Bogodougou, deux villages situés dans les régions du Kabadougou et du Folon, deux villages qui connaissent aujourd'hui de réelles avancées dans la lutte contre la malnutrition, ce depuis la mise en place des francs, les foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire. Les femmes de ces hameaux reculés ont désormais une maîtrise des bonnes pratiques nutritionnelles. C'est ce que nous rapporte Khalil Diomondé. Son reportage est commenté par Jean-Marc Diadji. Deux ans après l'ouverture du franc, foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire de Kérébadougou, département de Samatigila, le Conseil national pour la nutrition et ses partenaires viennent s'enquérir de l'évolution du projet. Depuis sa mise en œuvre, les habitudes ici ont bien changé. La santé nutritionnelle des enfants est scrutée dans les moindres détails. Les mamans sont aujourd'hui parfaitement en phase avec la nutrition infantile. Plus aucune chance pour la malnutrition de prospérer. C'est avec fierté que les mères présentent à la délégation leur bébé en pleine forme. Le projet a changé nos villages. Depuis que c'est venu, il y avait des enfants qui étaient malades. Ils sont guéris. On fait des bruits et puis on les envoie à l'hôpital. On fait bara pour les donner. Vraiment, moi, j'aime la sécurité qu'il nous a donnée. Au niveau de l'école, avant, ils ne mettaient pas les enfants à l'école. Grâce au franc, ces enfants sont là de 2 ans jusqu'à 5 ans. Ils apprennent à lire, à écrire, à jouer. Après Kérébadougou, direction Bogodougou, dans la sous-préfecture de Kaniasso, une autre localité bénéficiaire du franc. Ici, ce sont des tout-petits pleinement épanouis que trouve la délégation. On ne parle plus de malnutrition dans ce village depuis bientôt 2 ans. Les populations ont fait de la culture vivrière un outil important dans la lutte contre la malnutrition. Ils font du riz, ils font du maïs, ils font du mil, ils font du lignon, ils font de la banane. Alors ça permet vraiment d'animer le franc, ça permet de maintenir les alimentaires sur le terrain. Vraiment, il y a une forte mobilisation de la communauté. Et on a également aussi pu voir beaucoup d'initiatives pour diversifier l'alimentation des enfants à partir de l'âge de 6 mois, avec entre autres des farines enrichies. Et c'était très, très instructif. Beaucoup d'innovations, hein, beaucoup de choses qui sont vraiment uniques au village, que nous avons appréciées et que nous comptons comme des meilleures pratiques que nous pouvons documenter et partager à travers le projet avec d'autres villages. Les chefs des deux villages visités ont évoqué une doléance commune. Il s'agit de la construction d'un centre de santé afin de favoriser une meilleure prise en charge médicale des populations, particulièrement des enfants. La CAD 2023, l'affaire de tous en Côte d'Ivoire. Le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Albert-François Amicha, s'est entretenu avec les guides religieux ce mercredi. C'était à la cathédrale, au plateau, au centre des échanges, la mobilisation de tous les guides religieux dans cet événement sportif que la Côte d'Ivoire se prépare à organiser. Jean-Sylvère Esso. Quelques jours après avoir rencontré la Chambre des Rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, le président du COCAN et ses collaborateurs se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour expliquer aux membres du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire l'importance de la CAN qui se déroulera en janvier-février 2024 et ainsi solliciter l'onction et la bénédiction des hommes de Dieu dans la réussite de cette mission. Le message le plus important, c'est que vous puissiez servir d'intercesseur auprès du Tout-Puissant. Pour que cette CAN réunisse tous les Ivoiriens, que tout le monde se mobilise derrière le drapeau ivoire, que tout le monde se mobilise derrière les responsables de notre pays, en particulier le président de la République, le gouvernement de Côte d'Ivoire, derrière la Fédération ivoirienne de football, derrière le COCAN, afin que cela soit une réussite, que cela soit une occasion de fraternisation entre nous d'abord, Ivoiriens,
entre tous ceux qui habitent notre pays et avec tous ceux qui effectueront le déplacement durant cette période. Président des guides religieux de Côte d'Ivoire, Edjemou Blin Jacob, s'est dit heureux de la démarche du COCAN. Notre joie, c'est que vous allez penser à nous. Dieu seul qui sait qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, sait ce qu'il est pour la Côte d'Ivoire, saura répondre à vos déplacements et vous donner satisfaction pour votre souhait. François Albert Amicha et son équipe ont surtout rassuré les membres du Forum des confessions religieuses au sujet de l'avancée des travaux dans les villes hautes de la CAN. Et on poursuit en images au Nigeria. Un convoi du consulat américain a été attaqué hier mardi 16 mai dans l'état d'Anambra. C'est dans le sud-est du pays. Au total, 4 personnes ont été tuées. 3 autres ont été kidnappées, selon la Maison Blanche, qui a précisé qu'aucune des victimes n'était américaine. On termine avec ce communiqué émanant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le jeudi 18 mai 2023, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos ondes.